Bonsoir à tous les gars, c'est Lexus09, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le nouveau SBC joueur échange chute. Donc c'est le cinquième qui est dispo, à savoir que le premier était offert par IA. Les trois autres sont dans les objectifs hebdomadaires de la semaine, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça avant de les rater. Le cinquième c'est celui-là, et il y en a un sixième qui se trouve actuellement en clash. Donc voilà, pour l'instant, lundi on en aura six a priori. Peut-être plus qu'on en aura d'autres via les objectifs hebdomadaires. Donc voilà, joueur échange chute, on récupère Roraz. Bon, on va pas commenter sa carte parce qu'elle est archi dégueulasse. On le fait, c'est pour le mettre dans un SBC, tout simplement. Donc joueur Colombie, minimum 1. Donc il va s'agir de Izquierdo. Jordan Champion, max 6. Ok. 7 rares. Donc ça, c'est assez casse-couille. Ça oblige à mettre des joueurs hors rares parce que je peux pas vous proposer des bronzes rares. Pourquoi? Parce que déjà, la note va être basse. Et puis en plus, bah, le prix va péter comme hier. Bon, quand je vous ai proposé l'Irlandais, bah, du coup, ça a plutôt bien augmenté. Donc du coup, voilà, on va éviter de partir sur des bronzes rares. Et voilà, donc à noter aussi, j'ai vu dans les commentaires, j'avais demandé, mais si jamais ça marche pas, il y en a plus, il est trop cher, ouais. J'ai expliqué, prenez un autre joueur hors rare, et puis voilà, tout simplement. Donc, petite base BPL, des Irlandais pour mettre 600 crédits, voilà, 600 crédits les trois, c'est cadeau, c'est offert. Et voilà, ici des Ukrainiens pour le collectif, et pour changer de championnat aussi, puisque j'ai 6 joueurs max dans le même championnat. Donc Piatov au cash, qui a donc un extra lien vert, pas avec Kacheridi, mais avec Ordets. Jagielka, Alberto Moreno, Kelly, Cowley, Cork, Izquierdo, Morizé et Wilson. Voilà, tout simplement, les gars, avec ça, bah, vous récupérez le joueur échange chute qui vous servira donc pour prendre bah, des cartes, voilà, des cartes dans la boutique. Dans la boutique, n'importe quoi, dans les DCE, je dis n'importe quoi. On voit le go gris, on l'aura vu au moins une fois aujourd'hui. C'est pour pas spoiler les autres vidéos, mais voilà, en gros, il n'y a rien du tout. Ok, bon, bah on skip, hein, de toute façon, on s'en tape, on s'en tamponne l'oreille avec une babouche. Seuls les vrais auront la référence. Bref, donc voilà les gars, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, voilà, vraiment, les récupérer, les ratez pas, hein, je vous dis. Donc, dans les objectifs hebdo, bah, je vais vous montrer ça, tant qu'on dit, après tout, c'est une vidéo sur les joueurs échanges fut. Donc voilà, ici, gagner 4 matchs rivals par 2 buts d'écart cette semaine pour gagner un joueur échange. 15 matchs en ligne cette semaine, c'est bidon. Puis là, marqué 2 fois dans 10 victoires distinctes, donc que ce soit ligne ou hors ligne, ça n'a pas d'importance. Et, comme je vous disais, le 6ème en clash. On va aller voir... votre rang, et voilà, du coup, il y a Kessel à récupérer, donc faut au moins faire, voilà, faut au moins faire argent 3, donc voilà, c'est pas énorme, voilà, vous faites 5, 6 matchs, et avec ça, ça devrait le faire. Bref, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très très vite, les potes, portez-vous bien, et like and sub.